Qui? Mais Poids de Carotte dit qu'on prononce son nom, on va voir les vues que. Mais Poids de Carotte est qui? Tu insultes qui? Quand j'ai vu l'action qu'elle menait, Elle fait comme ça, elle est comme là, comme une zombie. Comment c'est votre essai offert Tu aujourd'hui? discutes que tu n'es pas au lieu sain. Pourquoi tu pleures quand nous on veut te déloger, Poids de Carotte? Pourquoi nous on a décidé à partir où tu ne travailles plus au lieu sain? C'est tout, tu ne travailles plus à côté de moi, tu vas porter ton camion sur la tête. Je n'ai jamais vu une personne qui est en Europe depuis. Elle parle seulement, elle parle offensant à Yaoundé. Regardez. Une pute jusqu'à demain. Là, voilà au téléphone. Elle répond au client. L'accroupement de ça. Allô? Envoie-moi ton adresse, je t'envoie ta carte bleue et tu me dois mes sous, tu me les envoies. Je Elle avait volé la carte bleue d'un Je ne client. veux pas retirer dans ta carte, toi-même tu vas le faire, tu m'envoies. D'accord? Je ne veux plus rien entendre parler, s'il te plaît. Oublie mon existence, oublie-moi. Et je t'avais bien dit que si tu continues à marceler pour des histoires à dormir debout, je vais te parler très mal. D'accord? Je voudrais que tu le retiennes, que c'est fini, que je ne veux plus de cette histoire-là. Tu vas fouiller mes directs sur Facebook et tu me saoules avec dès que je prononce le nom de quelqu'un, ça devient une histoire. J'ai prononcé le nom de Leonardo DiCaprio il y a 2 jours, ça devient des histoires, tu me casses Elle veut les nous faire croire couilles. que son gars est Leonardo jaloux. DiCaprio, c'est mon cousin, c'est mon Jusqu'à. frère, le frère de mon village, Tu espèce mens. de sale chien. Je ne veux plus de ton histoire, d'accord? Aucun homme au téléphone, Poids de Oublie, Carotte, oublie, personne. oublie. Je ne veux pas le code de la carte, je veux rien. Je ne Elle veux pas ment. plus de recherches. Je ne veux plus que tu m'offres des cadeaux. Je ne veux plus rien de toi. Elle ment. Peut-être que quand je prends tes cadeaux, tu penses que tu me tiens, que je suis ta chose. Je t'avais bien dit que je suis plus âgée que toi. Tu vas souffrir si tu te comportes mal. Toujours avec les petits Je garçons. t'avais bien dit. Et je regrette de t'avoir bien piné. Je suis désolée. Écoute-moi. Ça m'attendra. Et Non, là. ne m'appelle pas chérie, imbécile. C'est terminé là. Fous-moi le camp. Sale chien. Voilà, Titop. Je ne veux pas le code. Je t'ai dit. Une gratteuse. Prends Voilà, le code Titop. pour une autre fille. Envoie-moi le code. Si tu as fait le mandat, envoie-moi le code par SMS. Ah Oui, bon, parce hein? que je veux te bloquer sur tous les téléphones. N'importe Imbécile, quoi. Ça. Poids de Carotte, tu aimes te Quoi? rendre. Je reçois tes messages, oui, pour l'instant, parce que je t'ai pas encore bloqué. Tu Ok, envoie-moi le code, il n'y a pas de souci. Tu On ne fait discutes comme ça. avec personne. Je te connais. Tu parles Tu veux seul. me dire quoi d'autre? J'ai dit que ton histoire, je ne la veux plus. Tu sais, parfois on fait des erreurs. L'erreur que j'ai faite, le fait que j'ai été sérieuse avec toi, je t'ai montré beaucoup de bonnes choses, je t'ai montré l'amour sincère, mais tu comprends rien du tout. Je fais mes vidéos, je prononce les noms des Je gens suis qui me jalouse de disent quoi, mamie? Tu as dit Narcisse Mbarga. Narcisse Mbarga, c'est qui? Qui est jalouse de son buzz? Poids de Carotte Naou, jusqu'à ce que on va être jalouse de son buzz. Vous me faites tellement rigoler. Je mets moi Papa Congo ça. N'importe quoi. Papa Congo ça au moins parle. Oui, Papa Congo ça parle. Salut, salut, salut mes abonnés. Salut votre Papa Congo ça de tous les temps. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez les vidéos de votre Papa Congo ça. Partagez, 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 partagez. Mes gens, ça. Ça a pris notre MAPP international. Notre MAPP international, il en a fait de mes têtes. Notre MAPP international, oh, il en a fait de mes têtes. Il paraît qu'il en a fait de mes têtes. A clashé MAPP. Et comme MAPP international aussi, elle ne se laisse pas faire. Elle se livre aussi. Nam, bata, kata, kata, debout. Aïe, mes gens. Quand elle s'est levée, aïe, elle a dit en bas, elle a clashé propre la nouvelle fille, notre nouvelle fille de mes têtes. Elle a clashé propre notre nouvelle fille de mes têtes. Dis à notre nouvelle fille de mes têtes, et tu continues. Tu continues là où tu es là-bas, au lieu sain.
Je vais atterrir là-bas avec Flo. Aïe, quand j'ai subi ça, il dit que c'est chaud. Elle dit que je vais atterrir là-bas avec Flo. Là où tu vois maintenant au lieu seul. Tu penses que je ne le connais pas. Et je connais la personne même. Hein? La personne là où tu passes souvent dormir. Je sais cette personne. Et dès que je finis mon direct, je vais appeler cette personne. Je vais dire à cette personne que je continue encore à aller là-bas. Elle va appeler les niais. Elle dit que la dorée fille tape souvent, on sait combien de jours, 5 jours. Hein? Sans se wash. Sans se wash. Les Camerounais comprennent. Tu vas déplacer ton camion. Ils comprennent, c'est la vie. Ouais, pas comme ça. Ouais, c'est comment non? Il y a la publicité, on fait comment par Congos? Par Congos, c'est toi qui me retiens, moi. Oh. Ma personne par Congos, elle t'aime jusqu'à. Salut mes abonnés, salut votre par Congos, salut tous les temps. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez les vidéos de votre par Congos. Partagez. Mes gens, Mado de Paris est vraiment sérieuse, hein. Oui. L'autre jour, moi, j'ai pris ça comme ça. Je me disais même que non, la femme, si elle blague et tout. Mado de Paris, elle est vraiment sérieuse. Avec son histoire de Longa, là. Hein? Avec son histoire de Longa, là. Elle a clashé Flore de lui propre. Elle a clashé Flore de lui propre. Pour Mado de Paris, comme Flore de lui a lancé le litige pour Longa. Jusqu'à... Farakarna, aimez-vous les uns sur les autres. Je vais aimer ta langue qui pèse 700 kg là. Bonjour à toutes mes côtés. Côtés, nous les moulins, ma bonjour. Bonjour, Bibish Marie. Marie, Njuli Njana. Bonjour à toutes mes côtés. Bonjour, Lorraine Lafleur Bov. Bonjour, Joseline. Bonjour, Lorette. Bonjour, Baza, Aline Vendor, nous sommes là. Bonjour, Mafon Toufinga, bonjour. J'ai dit que bipez-moi tous les côtés et partagez-moi le cuisine jusqu'à ce que ça arrive à destination. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est cru à un moment donné qu'elle était star. Et là, on est dans le monde. Chienne. Qui est là? Je me demande.
malgré nous, bandé de malgré nous, que tu as cru à un moment donné qu'on nous tombe, tu as cru que tu peux aussi prendre la parole pour parler, où les vrais gens parlent, où les vrais blogueuses parlent, toi aussi tu t'es dit que tu peux parler, et là mais nous on saute. De ma copine, ce sont ses employés. Tu vas respecter le couloir de maman bébé, de gré ou de force. Et j'envoie la même nouvelle à toute autre sapa qui va se lever. Qui va se lever contre maman bébé ici. Les seules personnes habilitées à parler à maman bébé comme on veut, quand on veut et quand ça nous chante, ce sont ces vrais décassés. C'est de ça qu'il est question. Je ne veux pas voir une connasse dont on ne connaît même pas la couleur. Tantôt tu es rouge, tantôt tu es jaune, tantôt tu es Fanta, tantôt tu es Cyclon, avec tous les problèmes que tu as d'abord sur ta peau de varan. Tu n'as pas vu comment tu peux arranger ça. Et pourtant, l'audience que maman Pépé vend est gratuite. Tu n'as pas vu. Tu as juste vite porté ta grosse langue qui pèse. Attendez. Quand ça nous chante, ce sont ces vrais décassés. C'est de ça qu'il est question. Je ne veux pas voir une connasse dont on ne connaît même pas la couleur. Tantôt tu es rouge, tantôt tu es jaune, tantôt tu es Fanta, tantôt tu es Cyclon, avec tous les problèmes que tu as d'abord sur ta peau de varan. Tu n'as pas vu comment tu peux arranger ça. Et pourtant, l'audience que maman Pépé vend est gratuite. Tu n'as pas vu. Tu as juste vite porté ta grosse langue qui pèse 700 kilos là. Pour venir croire que tu peux parler à maman Pépé. J'ai dit stop avec la dernière énergie. Tu vas nous excuser à l'heure si ma tante fois souriant, ma tante fois soumanyanoué. Je vais d'abord laver ta sapin de ça là, propre. Elle va comprendre ce qu'on appelle la compréhension ici à la TKC. Elle comprendra qu'il y a des guerriers qui sont en retrait depuis belle lurette. Alors ne venez pas nous réveiller, ne venez pas me réveiller, sinon vous allez voir mon gros caleçon affiché en plein carrefour. C'est ça que je vous dis là. Allez, appelez-moi cette connasse de Valérie Amourou. Elle a un nom. Elle a un bon bon. Elle a un nom. Mais
tout ce que Dieu fait est bon. La paix s'y permet même en sorte que nous voyons même réellement les qui étaient qui. La même paix s'y permet en sorte que nous voyons les qui appartenaient à qui. Vous pensez que nous-mêmes ça nous a fait du bien? Que ce soit dans notre camp, que ce soit dans le camp d'en face. Mais à un moment donné, hein, nous-mêmes aussi on est fatigués, non? Mais quand on dit qu'on est fatigué, là, ça ne veut pas dire qu'on a peur. Ça veut dire qu'on avale juste encore le tramadol là. On prend encore ça. Et le banga que tu prends là, toi qui pèses 700 kg de langue là, laisse-moi te dire que c'est chez nous qu'on cultive ça. Quand tu as cru à un moment donné que à TikTok, dans tes moqueries, Brakata, tu t'es prise pour une star. Mais à fois au fond, je vais t'envoyer la poire dans ton derrière là. Comme ça, tu vas bien marcher comme tu marches. Tu t'es prise pour qui? Pour dire que tu vas parler à maman bébé. On te place, on place maman bébé. C'est le jour et la nuit. On sait ce que Wadoudo dit. On sait que tu parles même pas, que tu dis même au quoi. Quand tu vas couper le front à langue que tu as là, là tu vas revenir parler à maman bébé. Je te donne un avertissement et je suis catégorique là-dessus. La prochaine fois, je ne vais pas te donner le lait. Je ne vais pas te donner le lait. Stam Brakata de mes fesses. Et là, mais tout le monde va se lever. Chaque instant, Brakata va se lever. Ouais, 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 ouais.
Moi, j'aime celui-ci-là. Envoyez-moi cette vidéo à cette sapate et dites-lui qu'elle soit prête. Moi, j'aime celui-ci. Moi, j'aime celui-ci parce que... en fait, j'aime celui-ci-là qui parle là. Parce que même s'il insulte poids de carotte, mais il n'a pas une haine derrière, la haine, le genre que la haine, quoi, tu vois. Il insulte, mais c'est les injures parce qu'il défend sa patronne, tu vois. Mais ce n'est pas les injures de haine, de un genre, tu vois, un peu de... Donc, laissez la personne, c'est qu'il soit la star de... Tu campes ces jours-ci. Bah, il y a une bonne surprise. Bah, il y a une bonne surprise. Pas de choses que tu as fait, je veux une barque ici, là. À Marie-Louise Marga. Ouais, moi j'ai ma bouche à dire pour dire que je veux tourner par là. Pourtant, c'est tout long, c'est ma personne. Oh, je veux. Marie-Louise, pas le choses que tu as fait ici là. Toi, tu es même amie avec qui finalement? Hein? On a même envoyé ça. Tu es allé à Christ, à cœur, à Christ, à cœur ouvert. Les mêmes choses. Jalouse comme nous. On était. Ça part va. Essaye encore. Voilà ce que je t'ai dit. Et je prends tout le monde ici. À témoin. Comme tu as commencé là, essaye. Comme tu es SDF là. Tu as les problèmes avec tout le monde. Tu as les problèmes avec même celle, la romancière de talent. Celle-là même aussi. En tout cas. Regarde me respecter, Niam. Ça veut dire que je vous donne encore du respect. La bordellerie même que les gens font, tu ne peux pas faire ça. Tu vas même à la bordellerie comme ça. C'est les formules des clarinettes que tu vas saouler. Tu vas saouler. Ah, ah, ma woré bon ban, ma woré bon sang, ma woré bon sang. Bordel même, tu peux faire la bordel. Tu peux faire la bordel. Tu es qui? D'abord, la main rose, tu es qui? On était? Pour que tu as mis quoi? Je te donne l'avertissement, Rabiatou. C'est moi-même, Rabiatou et tout l'arsenal. Nous allons atterrir sur toi. Je te dis ça aussi, Moutam Kang. Tu ne peux pas me dépasser. Mais t'as mis nos rilans. Antenne où il est. Essaye encore avec le nom de Maman Pépé. Essaye. Prudence amoureux où? Tu laisses prudence amoureux où? Tu t'occupes d'elle quand? Tu lui donnes les conseils quand? N'en parlons pas de l'autre là. Quand je vais ouvrir ta page ici là. Oui, Yumnanana, on t'a supporté malgré nous. On t'a supporté parce que Maman Pépé nous t'a imposé. On n'avait pas le droit à régimer. Quand elle dit non, supporter d'elle. Ok? Donc ne pense pas que tu es star. Comme compte les gens là. Mbrakata, même les gens. Mbrakata. Aussi c'est le tonton, mais bime nous aux autres à Valérie. Je ne lis pas vos commentaires, laissez-moi m'exprimer et je me défoule. Cette connasse là, dites-le lui. C'est qu'elle croit qu'elle se purge là. Le tard que tu vois que tu mets dans les fesses là. Laisse-moi te dire que j'ai le charme de ça ici derrière. Maman cultivé donc. C'est moi qui cultive ça et je livre à la TKC. Donc depuis un moment, je suis j'ai coupé. Depuis pour plusieurs mois, je vous regarde, je ne dis rien, je viens, je guette, je ne dis rien, je viens, je guette, je ne dis rien. Donc ne pensez pas que les guerriers là, les guerriers de la TKC là, sont partis, hein. Zéro. Il n'a bien pas mis la Nice, on vous regarde seulement avec l'œil, avec un œil et demi. Alors la personne qui va faire mouak, bimim, koulungali boku, et l'amène aux autres, essaye encore. On ne va pas te dire, choy. Et je mets ta musique Bracata. Koha, comme je veux. J'ai un sérieux problème avec toi. Ça, je connais. Mais le problème, c'est un inbox.
C'est un livre. N'est-ce pas la honte même fait me tuer dans mon gros caleçon. Ma gota Gaël Tornard. Pardon. Dis comme à mon beau. Tu fais un gros bisou à mon beau. Tout problème s'arrange. Tout problème s'arrange. Mais je dis qu'avec la sapaque de Valéria, 450 grammes, kilogrammes de langue dans la bouche là. Mais on y a des problèmes. Je vais t'arracher la langue là avec mes mains. Si tu ne baisses pas la mèche, wallahi, tu vas confirmer ce qui a donné au plateau la grossesse. On était. Elle a bien. Tu penses que tu es quoi? On était. M'intamine aux autres. M'intamine. Je mets ta musique bracata, j'ai dit. Il y a Ndolo Moulema qui m'appelle à Makota. Exprime-toi. Rendez-vous même pas à Congo, ça pour passer la soirée. Salut mes abonnés, salut votre parcours, ça de tous les temps. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez les vidéos de votre parcours. Partagez. Les gens, j'ai vu une vidéo là, une petite vidéo là, le matin vraiment. J'ai seulement dit que la bouche que les gens viennent, les archives. Hein. J'ai seulement dit que les archives, c'est quelque chose. Oui. Les archives, si c'est quelque chose. Les gens sont là dans les réseaux sociaux. Ils parlent mal aux gens, n'importe comment. Mais il faut les voir quand on les coince quelque part. Ils deviennent petits comme ça là. Oui, petits, minuscules. Mais quand vous parlez, pour insulter, pour faire certaines choses, ils sont forts. Ils sont forts, comme je vous dis. Mais les gens oublient donc que les archives restent. Oui, les archives restent. Parce que si tu as fait quelque chose, même s'il y a de cela, 5 ans, dans les réseaux sociaux de nos jours, sache que c'est quelque part, on peut retrouver ça. Si quelqu'un veut, il faut y retrouver ça. C'est un peu ça, méchant. On va parler de Madame Alinzo, alias Wolo Minga, le premier du Bukutsi. Le premier type de suite, Tata Aline, son beau-père. Pas Tata Aline s'élève aujourd'hui, elle parle à marchand tout le temps. Elle est sûre. On doit qu'elle est un marchand avant, hein, pour les gens qui viennent d'arriver. Parce que parfois, comment vous trouvez les choses à. Wapapap, est-ce que tu savais que tu travaillais bénévolement quasiment tous les pas jours sans même temps? Est-ce que tu savais qu'à chaque fois que tu recommandes une marque à un ami ou à un membre de ta. Au milieu. Parce que je peux dire au milieu. Je ne peux pas dire à la fin parce que ça continue toujours, donc il n'y a pas encore de fin. Au milieu, vous ne comprenez rien. Vous voyez certaines personnes, on défend certaines personnes. Vous voyez, on parle de certaines personnes. Mais telle personne n'est pas ceci, telle personne n'est pas cela. Vous allez prendre ça mal, vous allez vous dire que ah, vous supportez tel autre là-bas. Vous faites ceci, vous faites cela. Méchant, ce n'est pas que tu vas t'élever pour supporter quelqu'un comme cela. Et surtout quand la personne ne te donne rien. Tu m'as dit encore que peut-être quelqu'un te donne même quelque chose comme certaines personnes font souvent. Que quand on les donne, ils supportent certaines personnes parce qu'on les donne. Mais quand tu sais qu'on ne les donne rien comme nous les parents pour ça, et que tu nous vois, on supporte une personne, c'est parce que nous, on ne suit pas les gens bêtement. Quand c'est vrai, tu dis c'est vrai. Quand c'est faux, tu dis c'est faux. Tu ne peux pas faire aux gens comme certaines personnes que c'est faux. Tu vois très bien que c'est faux. Mais. Tu n'oses pas dire que c'est faux. Tu continues à dire que c'est vrai. Parce que pourquoi? Parce que tu attends quelque chose en retour. Nous, on n'attend rien en retour. On dit rien que la vérité. Rien que la vérité. Parce que là, sur la toile, je ne vois pas qui j'ai peur de qui là sur la toile pour ne pas dire la vérité. Si j'ai envie de dire la vérité,
distance. Et même si quelqu'un se lève là, dit que par rapport à ça, toi là, ne parle plus mon nom, ne fais plus ceci. Si elle reste tranquille, c'est parce que je ne suis pas là pour la haine. C'est parce que je ne suis pas là pour les problèmes, j'évite seulement, c'est tout. Et surtout quand je sais que cette personne n'a rien fait, tu vas te lever pour parler de quelqu'un comme ça parce que tu veux seulement parler de la personne. Non. C'est, on parle quand il y a quelque chose, quand il n'y a rien, tu ne peux pas te lever comme ça, je commence à dire que peut-être compression, bien flou, bien loulou. Non. Tu vas pas, tu parles quand il y a quelque chose qui concerne loulou, ou bien quelque chose qui concerne flou, ou bien quelque chose qui concerne compression. Tu ne peux pas te lever comme si on commence à parler comme un fou. Non. Non. Parce que peut-être tu veux te faire plaisir, ou bien tu veux faire non, ou bien tu veux te faire voir. Non, on parle quand il y a quelque chose. Quand il y a rien, tu veux se faire de ta bouche ressentie. C'est un peu ça. La mère, c'est insulte. Tu m'entends que la mère de l'autre, la mère, c'est l'autre. Et Wolong Yimigala, alias Mabobono, a commencé à enregistrer ma chambre sur la toile. Moi, je voyais. Jusqu'à ma chambre. C'est elle qui a commencé à nous dire là sur la toile que ma chambre est du prédit. Comme je vous dis. C'est elle. Les archives sont là. Si on fouille, on va trouver tous ces vidéos là. C'est elle qui dit ça à ma chambre. Elle a commencé à lui dire ça à ma chambre tous les jours. Elle dit ça à lui dit bon. Ok, d'accord. Ouais. Et sans se limiter seulement chez ma chambre. Elle partait jusqu'à même un autre, son grand frère. Son grand frère qu'elle défend, soi-disant, elle défend aujourd'hui. Le grand frère de Machin. Notre tonton a ici le Dieu. Hein? Elle partait, elle insultait tout matin, midi, soir, dit comment il est dead. Toujours elle a commencé à nous dire qu'il est dead. Comme je vous dis, elle toujours. Même leur maman, la mater, la notre grand-mère. Notre grand-mère. Je m'en fous, tu perds elle ton temps. La grand-mère là. Pas de carotte et en. La pauvre grand-mère est là-bas. Ah bon? Elle ne prononce pas. Elle est sonne des réseaux sociaux. Elle ne connaît même pas. Tu dis, mais la grand-mère est là que. Elle doit faire servir à te demander que. Ma petite fille. Mon petit-fils. Facebook, c'est quoi? Hein? Elle va te demander que mon petit-fils. Ma petite fille. Facebook, c'est quoi? Je ne connais pas. Mais cette femme a prononcé, elle n'a pas laissé la grand-mère là. Hein? Elle prononce le nom de sa grand-mère là matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Cette femme a jeté toute la famille. Toute la famille. Marche à sucre. Terminez votre dégradé sans publicité. Essayez YouTube Premium gratuitement. C'est que la vidéo pas pour ça qui était trop bien ces jours-ci là. Avec Mado. La vidéo de Pâques, comme ça, qui était bien ces jours-ci là. Oh, mon neveu m'appelle. Je cherche la vidéo de Pâques, comme ça, parce que moi j'écoute beaucoup Pâques, comme ça. Et tout. Moi j'écoute beaucoup Papa, comme ça. Hein. Je le suis beaucoup. Pardon de Paris, pour elle, Salut mes abonnés, salut votre Pâques, comme ça, tous les temps, beaucoup d'abonnés, vous pouvez partager les vidéos. Tu cherches le poisson? Elle a clashé Foulon de vie propre. Elle a clashé Foulon de vie propre. Le Mado de Paris, comme Foulon de vie. Va lancer le litige pour Longuet. Mado de Paris, pour elle, Foulon est en train de l'arracher le Longuet. Franchement, c'est terrible. Hein? Il paraît qu'elle a l'habitude de causer avec Longuet. On ne sait pas ce que Longuet lui dit souvent là-bas. Ou elle avait dit à Longuet que je vais te donner les papiers. Et tout, mais Manu, tu toi qui dis que la mère, tu dis que tu ne profites rien, tu n'attends rien de Longuet. Mais en même temps, c'est toi qui dis encore que c'est ton mari. Donc ça veut dire que tu veux faire à Longuet Longuet comme la femme de toute la France. Là, mais ça, elle a partagé son mari au hein? Que Longuet part pour un business pour l'État. Pour l'État. Et toi, mais, et après, elle a commencé à regarder Longuet.
Dieu, frère. Moi, je veux le gars là. Comment ça, les cas, comment seulement. C'est le gars là que tu vas amener à Longuet. Parce que tu dis que tu n'attends rien de Longuet. Tu n'attends rien. Tu avais promis que tu vas donner l'état. Comme ça là. Pour rien. Sans condition. Mais c'est toi qui reviens encore. Quand tu dis que tu veux donner, c'est ton frère, oui. Ton frère Yabassien. Tu dis que tu veux lui donner l'état. L'état. Comme ça là. Sans attendre rien. Rien en retour. Comment tu viens alors faire des problèmes par rapport à son histoire et l'autre et Maf? Est-ce que Maf t'a dit qu'elle est avec l'ouvrier? Pourquoi vous aimez souvent analyser les choses comme ça? Vous ne voyez pas, les gens n'aident pas les gens pour rien aussi. Hein? Vous me faites rire. Hein? Tu dis que quand elle a vu la vidéo de l'ouvrier, maintenant les données ont changé. Elle ne parle plus mal comme elle parlait à l'ouvrier, l'ouvrier. Maintenant, elle est venue dire aux abeilles que c'est votre père là-bas, c'est votre père là-bas. Et puis quoi? Est-ce que l'ouvrier, c'est toi qui sais ce que tu causes là-bas avec lui? Donc tu penses que, avec tous les idiots que tu as utilisés, tu dis que Flore, il est ici, elle a les pieds, elle n'est pas droite, elle n'est pas. C'est vraiment des mots pour les trucs comme ça que vous passez le temps à l'insulter. Est-ce qu'elle s'est créée elle-même? Non, pour dire vraiment, donc, toi-même, tu n'es pas droite aussi la mère, toi-même, tu es aussi. Si on va regarder ça, tu as aussi les pieds aussi tordus. Oui, tu es ma bonbon Manu. Parce que vous aimez insulter les gens. Toi-même la mère, tu es aussi ma bonbon. Tu es aussi ma bonbon. Quand on te regarde, quand tu manges, tu es aussi ma bonbon. Oui. Mais tu es une belle femme. Parce que j'avais vu tes photos quand tu étais jeune. Tu es très belle. Tu étais très belle. Pour du vrai. Oui. Un peu moins ciré. Oui, tu étais. Je cherche quelque chose. Bon, tu vas bloquer après. En 2011, elle était allée dans une maison close en Belgique. Elle a couché avec les... On lui a proposé une somme d'argent, elle a couché avec les animaux. Donc quand les gens parlent de prostitution, il faut qu'elle se taise. Parce qu'elle, elle est la maîtresse de la prostitution. Regarde-moi celle-là. On va te dégager. Regardez le caleçon séché derrière. Regarde le caleçon. Elle a arrêté d'aller travailler à Beauvais. Maintenant, elle travaille chez elle. Ah bon, elle va vous donner le fonctionnement. Viens chez moi alors, elle fait les annonces chez elle. Ah bon? Elle vous a dit que elle est PDG de sa société. C'est pour masquer. Mm-hmm. Masque ça pas. C'est pour mentir au public et à ses fans. Non. Elle est toujours dans son comportement de salope et de prostituée. Regardez comment elle est fatiguée. Regardez le gros calé comme derrière. Elle travaille chez elle. Viens chez moi alors, pas de cas. Elle habite en face de la poste. À Compiègne. Mais viens alors. La rue de Paris. Si vous tapez Compiègne, vous allez voir la rue de Paris. Il y a une poste. Elle habite là. En face de la poste. C'est là qu'elle opère. Lorsqu'un client arrive, comme c'est une chambre salon, elle enferme sa mère dans sa chambre. Et elle opère au salon. Ah bon? Avec quoi? Vous m'aviez dit parler de ça. Depuis point de carotte. J'ai dit, ah, je ne parle pas de ça. Point de carotte, tu manges jusqu'à ce que ça. Elles veulent prouver, elles veulent montrer. Demandez à Madame Edo comment elle opère. Elle opère comme je vous dis là. Sa mère se cache dans la chambre lorsqu'elle a un cli. Et elle opère au salon. En face de la poste. Vous comprenez? La rue. Moi, de Paris. J'ai une adresse. Hein? La rue, ça toi, ton adresse la rue est où? De Paris. Tapez non. Vous voulez. Je n'ai pas envie d'être méchant. Est-ce que je cache où je vis? Point de carotte. Et toi? Ça ne sert à rien. Je vous donne tous les détails. Ça ne sert à rien. Mais je veux juste te dire, quand on n'a rien à dire, il faut se taire. J'ai à dire ça. Maintenant, pour Compressor. J'ai clashé Compressor hier. J'ai parlé de la prostitution.
Mais elle s'est levée, elle est venue parler de la prostitution. Comprends-toi, toi, tu peux parler de la prostitution. Toi. Regardez la sa tête. La championne des camions. Oh, bah, tu es parti du lieu 5. La camionneuse la plus agréée de sa génération. On t'a dégagé du lieu 5. Tu ne pars plus là-bas. Une rue et que tous les clients se dirigent vers toi parce que tu les niques sans capote. Abom ne t'es ben damba. Elle n'a plus rien à foutre parce qu'elle est atteinte des maladies vénériaux. Yes. Moi, j'ai suivi son histoire. Poids de carotte. J'ai suivi que quand elle est là, dans un coin, personne ne passe ailleurs. Elle avale. Toi, tu prends 15 euros. Elle prend devant, elle boit et elle nique sa capote. Hein, poids de carotte. On va te taper. Perpétuum Aleba. Tu ne travailles plus au lieu 5. Sabotage. Elle est comme ça. En même temps, sa mère est dedans. Sa mère travaille où? Quelqu'un vient vous dire là où sa mère travaille? Donc tu mélanges nos mamans dedans. Quoi de quoi va te bastonner? Sa mère, c'est une camionneuse. La mère de compression, c'est une pute. À Bordeaux. Si vous voulez, je vous sors le nom de la rue. Ça. Avec les preuves à l'appui, le nom de la rue. Sale chienne, elle dit que je mange une chambre. Là, elle est camionneuse. Vous m'aviez déjà entendu parler de ça. Pourquoi les gens vous aimez toujours venir vous faire suivre des réseaux sociaux? J'étais clashée, j'ai parlé tout ça hier. Tu viens dire que tu vas appeler les gens, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu ne travailles plus au lieu 5. Poids de carotte, ne dis-moi rien pour lieu 5. Tu peux parler, poids de cas. Tu ne travailles plus au lieu 5. Daniel Léamou va demander à compresseur de me laisser tranquille. Quand j'ai fait le direct hier, on va te traiter. J'ai dit quoi? J'ai parlé de piment. Elle vient citer les noms. Je n'aime pas quand j'ai les problèmes avec les gens. On ne cite les noms. Parce que tu sais que la femme qu'on a cité son nom t'a appelé. C'est là que j'ai ma colère. Si vous aviez envie de dire que je suis une pimentière, venez dire que moi je suis une pimentière. Regardez. Ne venez pas citer les noms des autres gens. Parce que là, vous cherchez que le problème aille loin. Compresseur peut faire quoi? Valérie Amour, venez dire que viens à Rouen, te tape. Je vais appeler parce que vous êtes malade dans la maladie. Tu vas faire quoi, qui? Vous êtes désattardée. Moi, je suis une attardée. Ah bon? Elle hein? vient dire que je vais appeler telle pour dire que. Tu, je vais appeler. Merde. Moi, je suis une malade mentale. Nous sommes les triples malades. Tom, tu connais. Elle a laissé le direct. Qu'est-ce que j'ai à foutre, Tania? Elle, même si elle dit que je tue les gens, on a déjà dit que j'ai tué mon père. Ça a changé quoi? La seule chose que je sais, c'est que je ne vais pas à la sorcellerie. Le reste des choses qu'on va dire, je m'emballe. Si j'en avais, je sais que je les emballe bien. Malheureusement, je n'ai pas, mais je m'emballe mon clitoris. Elle a laissé le direct. Elle allait dire quoi que je n'ai pas encore entendu. Tu crois que ce qu'elle a dit aujourd'hui dans ce direct-là, c'était peu. Sa mère, c'est une prostituée des camions à Bordeaux. Quand j'ai fait le direct, même aujourd'hui, vous m'aviez entendu parler. Je me suis retenue, j'ai dit, ah, nous on fait nos clashs de tous les jours. Elle vient parler des gens qui n'ont rien à voir dans les problèmes. Je vais appeler Aminata. Aminata, c'est ma mère. Esther Yone, c'est ma mère. C'est Esther Yone qui m'a mis au monde. Esther Yone, c'est ma grande-sœur. Toi-même, tu parles aussi des deux personnes-là. Vous mettez son nom dans vos conneries, pour quelle raison? Et toi, tu mets c'est son nom pour toi. C'est ça qui m'énerve. Ça si elle était encore une grande femme, elle allait même demander mon numéro à Aline, ou bien même à Lolo, ou bien même à toi que, pardon, je veux avoir la Dolefi de Metel. Elle lui demandait que Dolefi de Metel, c'est comment? Qu'est-ce que j'ai avec tu toi? Tu parles avec Aline. Elle commence à me clasher, elle dit que je vais appeler. Regarde-moi, ça avait des gros yeux. Une sorcière comme ça va accoucher. Si tu es une femme, va, tu accouches même un fou, on voit. Même un handicapé, on voit. Ou un aveugle. Idiote. Viens à Rouen. Tu es de Madagascar, non? Moi, je suis de Metel. Sale chienne. Tu es de Madagascar. Moi, j'ai grandi. Attends-nous. C'est comme ouais, ça. Ouais, l'enfance me harcèle. Pourquoi? C'est quoi? Moi, j'ai grandi. Quand ils ont mis, Tania, quand ils ont mis, pour là où elle me clashait sur YouTube, tu as fait quoi? Les gens qui envoient les têtes de mort, là. Attendez, je vais bloquer. Attendez, excusez-moi, je bloque les personnes qui envoient les têtes de mort. La personne a commencé à dire tout ce qu'elle a dit.
Toi qui es ma petite soeur, tu as fait quoi? Attendez, je vais bloquer quelques personnes. Même si vous êtes de la team, je vous bloque. Moi, on ne me dirige pas. Je suis libre de faire ce que je veux de mon mur. Donc, si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Je bloque. Moi, quelqu'un qui m'envoie les têtes de mort veut dire que la personne ne me veut pas du bien. Donc, je bloque. Même si vous me donnez des milliards. D'accord? N'importe quoi. Pensez que quelqu'un va s'asseoir. Vous levez, vous commencez à m'envoyer les têtes de mort. Ça ne va pas, non? Voilà, ce sont les gens de... Tant que qu'il a, c'est ton problème. Je te bloque. Je vais bloquer ces gens-là d'abord. Vous allez m'excuser. Je voulais... Attendez, quand Poids de Carotte va finir? Parce que Poids de Carotte est en direct. Quand elle a été contaminée, j'étais là-bas. Tu étais là pour voir si elle était quand contaminée. Que la douleur est là. Tu supportes, tu dis que... On va te taper. Elle ne fait pas le waka à Toulouse. Elle fait le waka à Compiègne. Quoique, Madame Médor fait le waka d'abord chez elle avant qu'elle ne voyage. Ah bon, ouais. Dans d'autres villes. Je n'ai pas besoin que tu me donnes des informations. Elle, elle fait le waka dans beaucoup de villes, en fait. Ils disent qu'à Bordeaux. Chef sur, elle reçoit d'abord chez elle. Et lorsque sa mère et les gens viennent, sa mère reste dans la chambre. Ma, je parle avec quelqu'un pour les huiles. Elle enferme sa mère. Ma, ne sors pas. Hein. Mana, voilà 20 euros. C'est comme ça qu'elle flatte sa mère. Mana, voilà 20 euros. Mana, je vais aller t'acheter les chaussures. Non, Mana, tu vas manger quoi? C'est comme ça qu'elle fait. Parce qu'on ne veut pas parler. Quand on ne veut pas parler, ce n'est pas parce qu'on a peur. On se dit chacun sa vie. Mais quand les gens veulent prouver que ils veulent se mêler de ta vie, tu leur prouves que tu parles de, tu peux parler de leur vie 10 000 fois. Vous comprenez? Point terminé. Compressons sa mère est une camionneuse de Bordeaux. Une vieille femme de cet âge-là. Maman, quand on a déjà dépassé 60 ans, il faut prendre la retraite. Il faut prendre la retraite. Parce que je ne connais pas son âge, mais je peux imaginer si une femme a déjà un enfant comme compresseur, elle doit déjà avoir les 60 ans. Voire plus. Elle devrait prendre la retraite. Maman. Poids de Carotte. Elle devrait prendre la retraite. Elle devrait prendre la retraite. Donc, je veux laisser pour ce soir, pour Tania. Toutes les informations je dois donner. Toi qui envoies le tête de mort, quand je termine, je te bloque. Je vais laisser pour ce soir pour Tania. Je ne sais même pas ce que compression fait, même avec le faux profil qu'on appelle, c'est Tania là. Tania, parce que je sais ce que ce sont tu les es faux mal. Culs. Mais si tu comme tu aimes ta bouffiasse de compresseur, ne me parle plus jamais. Mais pour ce soir, je laisse ça pour toi. Tania, je veux laisser ça pour toi parce que tu m'as tellement supplié depuis hier. Et faux cul comme ça. Je n'ai pas compris. Et comme tu n'arrêtes pas de m'écrire en inbox là, et sur WhatsApp, c'est pour cela que je vais laisser. C'est que tu n'allais pas parler, c'est que tu passes le plan que tu fais avec les faux profils. Et pour l'information des personnes qui ne connaissent pas, sachez que, au cas où vous ne connaissez pas, avant que beaucoup d'entre vous n'atterrissent sur des réseaux sociaux, c'est compresseur qui m'avait commencé, mais je me suis tue. Je me suis tue parce que j'avais un problème précis avec Madame Médor, dont je n'ai pas eu le temps de la gérer. Vous comprenez? Je n'ai pas eu le temps de la gérer. C'est Michel et son mari qui t'envoie. On connaît son fonctionnement. Et insulté copieusement. C'est Michel et son mari qui t'envoie, toi. Vous ne connaissez pas. On connaît. Je vous, c'est à titre de rappel, vous qui ne connaissez pas les clashs. On va vous mélanger à deux, on va vous traiter. Demandez-lui si elle est sincère, s'il ne m'avait jamais clashé. Sale pute. Elles étaient deux. Avant que les autres personnes viennent me clasher, il y avait compression, il y avait virus Lydia. Sale chienne, je connais ce nom de ma fille. Dit, les petites filles, si, je les connais où? Tite-top, t'as dépassé. Je les connais où? Regardez ses dents. Je connais les petites filles ici où Lang. Elle
couple sort. Elle m'avait insulté que je suis restée comme ça. C'est la paix qui vous fait les mal. Les gens m'ont dit, reste tranquille, je suis restée tranquille. Elle a refait. Elle va te traiter. Elle a refait. Et je serai derrière pour encourager. Elle m'avait fait au moins 4 vidéos. Au cas où vous, qui ne connaissez pas les histoires des réseaux sociaux, et comme moi, je suis comme la maladie qu'on appelle l'ennemi ou yon. Vous comprenez? Comme je suis la maladie qu'on appelle l'ethnie. L'ethnie est que tu peux souffrir de l'ethnie pendant des années et des mois. L'ethnie t'attrape un seul jour. La douleur te prend un seul jour. C'est comme ça que je suis. Parce que moi, mes problèmes ne finissent jamais. Quand une personne, tu m'as fait un truc, je garde ça dans ma mémoire. Et j'ai gardé ça dans ma mémoire. Sale chienne. J'ai attendu même que cette fille dit que ouais, Valérie Amourou, excuse-moi. Elle te demande des excuses. Pourquoi? Tu es qui? Sale chienne. Vous comprenez? On ne comprend pas. J'ai même chienne. Attendu qu'elle vienne dire que bon, ma soeur, excuse-moi, je t'avais offensé. Elle ne l'a jamais fait. Au cas où, à titre de rappel, vous qui demandez qu'on peut, on ne t'a jamais insulté. Vous connaissez comment elle m'avait insulté. Vous n'étiez même pas là. Demandez-lui. Allez-lui demander. Cette fille n'est pas camerounaise. Est-ce qu'elle m'a sale chienne, sort dans les choses des camerounaises. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle est là. Elle prend la Bible. Tout ce que je veux entreprendre ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle a marché pour toi, sale chienne? Elle marche avec la Bible. Au nom de Jésus. Elle est là. Elle appelait le compresseur la nuit à 4 heures. Si elle ne m'avait pas insulté, clashé sévèrement. Sale pute. On va te clasher alors maintenant, tu vas voir. Sale chienne. Donne rendez-vous où tu veux. Vous qui venez dire, elle ne t'a jamais clashé. Tu vas dégager des lieux saints. Depuis, j'avale le macabre. Je n'arrive pas. Le macabre bloque ma gorge. Quand je vois qu'elle va faire encore la paix avec Madame Médor, ça m'énerve. C'est pas que ça m'énerve. Elle entre automatiquement dans le bain de haine. Est-ce que je dois vous mentir? Quand vous les Yaoundé, vous vous insultez. Ça, c'est le tribalisme. Vous les Yaoundé. Vous les Yaoundé, là, vous vous insultez tous les jours. Vous faites la paix entre vous, non? Quand c'est vous les Yaoundé, vous faites la paix entre vous. Il n'y a pas de problème. Elle ne va pas faire la, on ne va pas faire la paix. Pourquoi? N'est-ce pas que vous insultez, vous faites la paix? Tu as insulté Alice Mobem, tu as fait la paix avec elle, non? Tu as insulté la tilapia de lui, tu as fait la paix, non? C'est compression qui est votre mougou. Pour les Yaoundé, là, vous pensez que vous êtes trop sage. On a compris votre insulte. On a compris votre truc. Je n'ai rien à foutre de ce que vous pensez. Sale chienne. Quand vous faites vos paix entre vous, là, vous enculez, après, vous faites la paix. Quand vous vous asseyez sur vos chattes et sur vos couilles, je n'ai rien à foutre. Et qu'est-ce qu'on a foutu de toi? Viens à Rouen. Et je vous emmerde. Sale chienne, tu as dit que tu venais à Rouen, non? Donc sachez-le que si aujourd'hui je me révolte parce que à un moment, moi je réveille toujours les morts, même ceux qui sont morts après 10 ans. C'est comme ça avec moi. Et sachez que quand vous êtes en guerre avec moi, c'est... Même si je ne dis rien, sachez que je suis en guerre avec vous. Vous êtes un groupe, on vous connaît déjà, on vous a répertorié. Elle vient parler, je suivais les camions. C'est elle, comprends, on peut se lever pour parler des camions. Tu vas dégager des camions. Elle vous a dit ce qu'elle fait à Rouen. Elle ne fait rien. Elle vous a dit. Elle ne fait rien. Je vous ai dit aujourd'hui que quelqu'un m'avait dit, Valérie, amour, tu veux que je la filme? J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Personne ne t'a dit ça, elle ne fait pas la pute. Il dit que je sais là où sont. Tu mens, elle ne vend pas le piment. Je peux aller. Menteuse. En cachette, je viens te montrer. Tu mens, elle ne vend pas le piment. Ça ne m'intéresse pas. Elle ne vend pas le piment. Tu mens. À Beauvais. À Beauvais. Tu veux les images? J'ai dit non. Mais viens, non. Moi, si quelqu'un me dit qu'on veut tes images, je dis oui. Pourquoi vous dites non pour moi? Pois de carotte. Ça va mettre que l'argent dans mon compte. Pois de carotte. Pourquoi tu dis non? Si c'est, je ne veux pas. Je vais dire oui, si je c'est ta part. Mais quand elle vient, ça pardon, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a les gens qui sont en train d'attaquer le live. Envoyez les cœurs. Étant donné que tous les soirs, je fais mes directs à
avec vous ici. Tu manques, tu fais le camion. Tous les soirs, je dors là-bas dans la sorcellerie, je m'envoie. Tu manques, tu fais le camion, tu dors chez le monsieur là. Comme souris Baraka qui voyage la nuit, donc je fais que je fais le direct et je dors là-bas. Tu vends, tu dors dans les camions. À quelle heure et à quel moment? Il faut arrêter de se faire voir. Tu dors dans les camions, pourquoi ça te choque? Je vais donc te dire qu'on peut sortir. Je vais te dire, écoute bien ce que je veux te dire. Tu sais que ta mère fait les camions, non? Elle dort chez l'homme à tout faire. Alors tu arrêtes avec mon nom. Parce que les images du camion de ta mère et son visage, j'ai sur mon téléphone. Tu mens. Tu n'as rien, sale pute. Si vous n'aviez pas peur des bandits, il faut avoir peur des bandits. Tu mens. J'ai les images. Tu avais dit que tu as ma photo en train de minder avec le chien. On n'a jamais vu la photo où tu dis que si ma mère dort, que je baise avec les chiens. Pourquoi tu ne mets pas? Si tu veux même, je pousse le bouchon loin, je demande qu'on filme quand on lui fait l'amour. Hé! Hey. Pour vous montrer que quand vous voyez les gens ici, il faut avoir peur d'eux. Je te mets au défi. Je vais te filmer au lieu 5. Arrête avec mon nom. On va te filmer, lieu, tu déjà, vas déménager, tu sais déjà que tu pars. Mercredi ou jeudi, et quand j'irai, moi-même je ferai le direct que je suis au lieu sans. Tu pars parce que tu as l'habitude d'aller là-bas. On va te dégager. Je vais aller faire un tour au lieu sans. Quand je vais. Ce n'est pas un tour, tu travailles au lieu sans à côté du McDo. Tu travailles là-bas à côté du McDo. Je verrai ce que vous allez me faire. Je dis que tu travailles à côté du McDo, tu seras filmé. Je verrai ce que vous allez me faire. Vous allez insulter. Ça ne va rien changer. On va te filmer, les femmes là vont te dégager. Moi je connais. On va te chasser là-bas. Moi je connais les femmes là. Elles n'aiment pas quand elles sont discrètes. Vous comprenez? Tu vas amener les filles de Facebook là-bas, non? Tu sais qu'elles n'aiment pas ça. Il faut laisser les bruits de Madame Médor. Madame Médor avait dit que elle viendra. Madame Médor avait dit qu'elle viendra chez moi et qu'elle a mon adresse. Est-ce que tu as la maison? Est-ce qu'elle est venue? Est-ce qu'elle peut venir? Est-ce que tu as une adresse? Tu n'as pas d'adresse. On lui a donné les nouvelles que ne tente pas la fille là. Elle n'a pas d'adresse enfant. À un moment, elle était à Creil, à côté de la boutique. Elle était à côté de la boutique à Creil. Elle était chez un blanc à Creil. Elle a déménagé. Tu étais chez un blanc. Le blanc l'a mis dehors à Creil. Elle était à Creil, à côté de FDL Habilleuse. Moi, de Carotte était un moment à Creil. Elle vivait chez un blanc là-bas. À côté de la boutique FDR Habilleuse, où on fait les directs. Qu'elle essaye. Elle a fui. Tu n'as pas l'adresse. Je vais venir chez le monsieur là. Poids de carotte, tu me connais. Comme une folle. Tu me connais. Vous me connaissez mal. Toi-même, tu me connais. Tu m'as déjà goûté. Pas les histoires de Facebook. Poids de carotte, you know me. I go do you. I go do you, poids de carotte. Son oiseau de nuit, les que 10. Il dit, toi, c'est what he. Elle ne vivait pas là-bas à côté de Accra, à côté de la boutique Habilleuse, Habilleuse FDL. Elle habitait chez un vieux blanc là-bas. Le blanc l'a mise dehors. Elle est partie à Paris. Elle habite à. Madame, je n'ai jamais entendu qu'une fille. Je n'ai jamais entendu qu'une fille Bamileka a tapé une fille petite. Ah bon, hein? Même quand on discute les hommes avec elle, on arrache l'homme de force. Ah bon, hein? Sale chienne. Une senteuse comme toi. Les filles Bamileke. Et tu es tout seul. Excusez-moi, je sais que j'ai des fans Bamileke. On vous arrache souvent les hommes de force, on les prend. Et si tu essaies de broncher, on te fouette. Ah bon, hein? Vous comprenez? Ma chérie, avec tes soeurs là. Les femmes, que quand on discute les hommes avec elles, comme elles font des pratiques, elles mettent les nourritures dans la nourriture. Les gris-gris dans la nourriture. Regardez sa grosse langue, elle peut parler. Parce qu'elles sont fortes dans l'ongrimba. Ah bon, hein? Mais les filles, que quand une fille petite a une rivale Bamilekeaka, c'est simple comme bonjour. On arrache souvent les hommes de force comme et ça. Et toi, tu es avec on qui? On parle fort que si tu es une femme, viens chercher. Il est chez moi. Ma chérie, tu vas alors comprendre que moi, je n'ai pas gangé avec Bamileke. Ça, c'est les Bamileke d'avant. J'ai peur d'elle quand je dors là. Je ne suis pas donc ce genre de Bamileke, en fait. Madame Médor. Tu as je dis que tu sais que je ne suis pas ce genre de Bamileke. J'ai déjà fait la confrontation avec toi. Je dis que. Je ne suis pas ce genre de Bamileke. Avec l'homme, avec une fille basse. Elle voulait sortir avec un gars que je suis sorti. Christian Dinga, que tu as discuté. Parce que tu savais qu'il m'avait dragué. Tu es parti habiter chez lui. Il t'a baisé partout, à la nuit. Il t'a sodomisé. Tu as habité là pour vendre le piment. Sale pute. Tu es là. Tu sais que, oh, elle va aller. Vous savez que chez eux là.
Papa va taper poids de carotte, on va filmer. Moi, je vous préviens. Comme à l'est. Comme à l'est. Là, tu manges le poisson qui est déjà noir dans la nourriture, là. Oh, c'est là que le gars tombe. Alors que, en temps de vrai amour, les filles qui connaissent. Je te dis que les compressions ne peut plus bagarrer. Poids de carreau, moi, je vais te taper. Donc, je t'avais bastonné. Les arrache, les hommes. Je t'ai tapé à Lille, tu as fui. Tu m'as fait quoi? Je t'ai tapé, vous étiez deux, non? Que Madame Médon viendra me battre. Je vais te battre. Je vais te battre, moi je te dis ça, je vais te battre au lieu saint. Tu me connais pas, quand je décide, je te dis que je vais te filmer au lieu saint. Tu vas ego dégager pour lieu saint, Nami de tell you. Décroche. Elle a déjà gâté le marché là-bas. Elle prend les clients 10 euros, 15 euros, elle n'a même pas honte. Sache que sa mère est dans les camions. Et elle le sait même déjà et j'ai les preuves ici. Tu n'as aucune preuve, sale chienne menteuse. Elle n'essaye pas. Je vais te. Je dis qu'un. Quoi de carotte? Les femmes qui t'ont recruté au vieux lieu 5, on va les nuire. Je n'essaye pas. Si vous voulez ramasser la honte du siècle, je vais déposer ça sur Facebook. Elle menace qui? Mets la photo où tu avais dit que je baise avec les animaux là. Mets la photo depuis des années, tu dis que je suis Madame Médon. Mets ça, on voit. Sale chienne, mets ça. Une pétasse comme ça, elle invente tout sur les gens. Quand tu as une photo sur moi, tu ne mets pas. Je suis libre comme le vent. Une chienne, regardez la calvétie sur sa tête. Une femme qui a la calvétie. Sale chienne, parce que tu vois que compression sort de l'opération. Tu vois, tu peux la taper. Elle va te taper devant elle. Je veux aller au lieu sans. Demande à compression. Elle et moi, on a fait la confrontation comme bagarre. Je vais te taper. Même toi-même. Ou au bois de Boulogne. Bois de carotte, tu vas dégager de Paris. Elle va te taper pour elle. Crois-moi, tape maman. Qui va d'abord me poids de carotte, voici maman. Tape maman. Vous parlez ce que tape vous maman. Que elles vont d'abord me laisser. Mes gens, elles vont d'abord me laisser. Les femmes qui ont pris poids de carotte au lieu sain, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, elles vont me chasser avec les couteaux, les gourdins. Tu connais. Je vais même me faire fouetter. Moi, je vais dire aux femmes qui ont recruté poids de carotte au lieu sain. Les femmes qui ont pris poids de carotte au lieu sain. Coucou, ma belle-sœur, la PDG des bureaux. On arrive au Canada. Je sais que tu organises un événement de paix. C'est une soirée de paix que tu vas organiser au Canada pour Compressor et moi. Poids de carotte. Moi, j'étais chouqué la fourchette à Lille sur la joue. Tu as pleuré. Vous étiez deux contre. Tu m'étais tapé. Tu as compris? Moi, je ne vois pas les gens qui te supplient que machin chouette que ne Compressor, nanani, nanana. Tu comprends? Je vais te taper. Je dis que compression sort d'une opération. On ne peut pas bagarrer. Je vais bagarrer pour nous deux. Poids de carotte. Tu vas comprendre que c'est une fille qui a grandi. Donc tu dis que les Bamileke. Je vais te montrer que je ne suis pas une Bamileke comme avant. Parce que moi, si j'étais les Bamileke d'avant, c'est que je ne suis pas sur Facebook à crier. On est les Bamileke racailles. Tu vois, nous sommes les Bamileke racailles. Poids de carotte, je suis une Bamileke racailles. Tu ne peux pas me tenter, poids de carotte. Je vais te taper au lieu 5. Je vais appeler les propriétaires du lieu saint. Je vais appeler les femmes qui contrôlent les tours de contrôle du lieu saint. Les femmes qui vendent les places au lieu saint. Je vais dire à ces femmes-là que vous êtes en France. Vous vendez le terrain qui ne vous appartient pas. Les femmes-là au lieu saint, elles vendent la place à 5000 euros pour poser le camion. Mes chers frères et sœurs, elles sont arrivées en France. Elles ne payent rien à l'État français. Mais tu viens te positionner, elle te dit que ici tu vas payer 5000 euros avant de poser ton camion. Poids de carotte va mettre son camion sur la tête. Je dis que poids de carotte, tu vas mettre ton camion sur la tête. Tu vas poser sur. Tu dis que moi j'habite à Compiègne en face de la poste. C'est vrai. Au moins j'ai une adresse. J'habite dans une résidence. Et je vis dans une maison bien équipée, bien meublée. Quand je ne suis pas chez moi, je viens dans le sud chez ma copine. Tu veux que je vends le piment à Strasbourg? Ma chérie, poids de carotte, même le piment t'a dépassé. Tu habitais à Creil, à côté de ma boutique là-bas, à Creil. Tu vas porter le. Je vais te montrer que j'ai grandi avec les bassins. Tu ne me connais pas. Moi, je suis une racaille. Je suis une racaille. Poids de carotte. Poids de carotte. Poids de carotte. Je vais te taper. Donc, Méchant, quand les choses que vous avez.
entendez là, c'est sur des réseaux sociaux que vous entendez ça vite fait comme ça. C'est facile. Et puis il y a même les fans de vraiment, c'est honteux. Nigériane, pute de la putasserie, comme elle. Et puis les gens commentent. Ceux qui disent qu'ils sont de la TK, c'est vous commentez chez Poids de Carole. Regardez. Je laisse les commentaires. Regardez. On me provoque. Regardez les profits de la TK, c'est. La mère. Vous n'avez même pas. On regardait le profit sur Roméo. Bang là. Ça, c'est un profit de la TK. Comme ça, boum. Vous devez avoir honte. Dania, pour ce soir, je laisse pour toi. Vous n'avez pas honte de commenter où on insulte votre patronne. Ce soir, je laisse pour toi. Voilà les profits de la TK. Ce soir, je laisse pour toi. Voilà une, celle-ci, voilà. Celle-ci que je montre. Ce soir, je laisse pour toi. Vous n'êtes pas honte. Je laisse ce soir, Tania. Elle n'est pas obligée d'avoir les fans. J'ai vu comment tu es mal. J'ai vu comment tu n'es pas bien dans ton assiette. Sale pute. J'ai vu comment ça ne va pas. Elles sont là. Regardez. Il fallait quand même que je vienne lui donner un avertissement. Moi, je n'ai plus... L'ampoule, rien n'a plus peur. Regardez. Un commissaire de police de Bonanjo n'a pas peur des bandits. Il je vais à t'afficher au lieu sain. Sa vie, bam. Ça, ce sont les qui? Mon chaud commissaire était que... Commissaire. Vous ne pouvez pas diriger compresseur. Elle a compris votre stratégie. Il est sur moi. Vous mettez votre caméra, venez faire le clash. Ils gardaient leur truc là qu'ils ont souvent, là, les gros radios là. Son téléphone sonne qu'il y a un groupe de bandits. Ils habillent comme ça. Ils vous démarrent la voiture. Ils mettent le warning. J'ai dit comme ça. Donne. Est-ce qu'il avait peur? Un jour, il est rentré avec les blessures. Christine Nias, est-ce qu'ils sont venus par le visa? Ce sont les filles. Au fin fond du quartier. Jusqu'à ce qu'ils les ont trouvés dans les cachettes. J'ai dit que comme ça, je te respecte. Si on partait tirer sur toi là-bas. Regardez celle qui dit aussi qu'elle est artiste. C'est comme ça une Wolwos n'a plus peur des coups. J'en ai tellement pris des coups que ça ne me fait plus peur. Vous allez venir dire quoi que, qui va me faire mais peur. Mais non, moi je ne les contrôle pas. C'est juste que tu es un peu. C'est juste que vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un commence à m'insulter et vous me dites. Et vos déclarations. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Moi je suis celle que. Je croyais que j'étais amie avec des gens, que c'était mes amis. Ils ont pris mes photos, ils ont publié sur des réseaux sociaux. Lorsque ces gens-là ont publié mes photos sur des réseaux sociaux, ces gens-là pensaient qu'ils me faisaient du bien. Ils me faisaient du mal alors qu'ils m'ont fait du bien. Tu mens. Ils m'ont rendu star et célèbre. Je suis la plus célèbre. Ah bon? De la célébrité, de toutes les blogueuses. Vous comprenez? Elles sont connues. Oui, tout le monde les connaît, mais je suis la plus célèbre. Que s'il faut faire un pot, j'ai gagné sur TikTok. Quelle blogueuse camerounaise a gagné sur TikTok? Est-ce que j'ai beaucoup de vues? J'ai combien de vues? Aujourd'hui, j'ai même beaucoup. Je suis la seule. On t'a donné combien? J'ai été tiquée par les Européens, les Américains, les Chinois, les... Ok. Donc, je ne discute pas. Vous voulez que je discute quoi? Mais quand quelqu'un... Les gens de TikTok, les stars de TikTok vont voir comment tu fais la pute dans le camion. Qui n'ont rien à y voir dans le clash. Je veux vous faire ça dur. Je veux vous enculer sans vaseline. Seul contre tous. Ah bon, hein? On va te traiter. Seul contre tous. Je suis solide, je suis comme le pont du Fourri. Solide comme le pont du Fourri, comme le pont d'Abomba. Comme le pont du Nyon. Comme les ponts de tous les noms. Que ce soit Nyon et que ce soit Nyon et so, que ce soit Nyon, Fumo, tous les ponts du Nyon. Que ce soit le Nyon de Balmayo. Je suis, vous connaissez le nombre de voitures qui passent sous les ponts? Hein? Je suis comme le pont, dur et solide. Ah bon, hein? Je suis comme les ponts de la Seine. Vous voyez la Seine quand vous arrivez dans Paris ou dans les 77 et d'autres régions là. Regardez Seine. Les habits accrochés, regardez le caleçon là-bas derrière. Tu es solide comme le pont de Rhin, le Rhin, le fleuve de Strasbourg. Solide, vous connaissez le nombre de voitures qui passent là. Vous allez me faire quoi? Je n'ai rien à cirer. Hein? Je suis comme un bateau de croisière. Il y a quoi? Je dis, c'est la voix de Lévi qui fait souvent le sang. Je vais appeler telle personne. Tu veux te faire voir? Si tu veux te faire voir, je veux te pousser à te faire voir.
je vais te pousser à te faire voir. Je serai moi-même. Moi-même, j'irai au lieu saint mercredi et je vais t'appeler que je suis au lieu saint. Tu mens, ce n'est pas comme mercredi, tu pars là-bas tous les jours. Ne fais pas semblant, nous on va t'attraper quand okay. tu ne vas pas t'attendre. Il veut quoi? C'est l'un de mes shows. Il y a l'autre au salon. Hein. Il a mal au bras. Le blanc, non. Il a mal au bras. Bon, je vais faire à manger. Je vais chercher de quoi manger. Regardez, elle vit dans le sous-sol. Une femme qui vit dans le sous-sol. Filme-le chez toi, on voit. Montre-nous comment tu es une femme qui s'est rangée. Sale chienne. Ouh, le visage de ça. Regardez les boutons. Quoi de calme, j'en sens t'as lâché. Vous aviez mangé quoi? Vous aviez fait à manger, vous ne m'aviez pas gardé. Regarde alors. Des haricots verts, les pommes de terre et quoi d'autre? Eh bien, j'ai regardé le meuble dans la maison. Bah oui, je veux manger, j'ai faim. Vas-y, fais-moi à manger, chérie, s'il te plaît. Elle vit chez un blanc aujourd'hui, demain elle vit chez l'autre. Oui, chauffe-moi aussi du poisson. Mais t'as pas mis ta... Non, c'est fait. C'est bon, je m'en fais pour toi. 30 ans sans papier en Europe. Elle a 30 ans de mairie sans papier. Elle n'est jamais allée au Cameroun. 30 ans d'Europe, elle n'a pas de papier. Si tu es une femme, pas au Cameroun, on voit. Montre-nous ta carte de séjour. Tu n'as pas de papier. Tu me mets un peu de salade, un peu de pommes de terre. Ici en Europe, pour vivre sur un blanc, c'est rien. Échanger de service, ça s'appelle. Tu n'y as avec lui, il te donne où dormir. Les blancs cherchent ceci dehors jusqu'à échange de service. Ah, ça c'est le couteau? Son visage comme la tête du porc. Mais prends un peu de poisson. Moi, je t'enlève les arêtes si tu veux. Sale chienne. Tu veux? D'accord. Pitiation for you. Ok, merci. Courage. Tu les gars, as bien conduit là? Oui, c'est bon. Tant mieux. Et tu vas reprendre ton 30 ans de France. Je ne suis pas mieux en français, mais toi, tu parles en patois. La seule Camerounaise qui parle le français en patois. Regardez, le corocoro sur le visage. Regardez. Une sans-papier, sale chienne. Poids de carreau, il me bille, ne me les langues. Regardez comment elle mange comme le porc. Chouac, chouac, chouac. Sale chienne. Bam, 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 bam. Ah, tu as chopé la salade là. Bon, je veux manger, je veux profiter. Sale chienne. Tu ne coupes pas que tu as quoi à dire, poids de carotte. La chanson t'a dépassé. Sale chienne. Oui. Vois son camion. Avec sa copine, voilà une de ses copines. Sa copine du pépé. Bah, sa copine, elle savait elle qu'elle mangeait pour vendre le piment. Thank you.
Regardez. Une bande de prostituées. Regardez. Elle a volé le mari d'une femme en Suisse. Comme ça, elles sont nombreuses, hein. Je vous dis que franchement, vous n'allez pas comprendre ce genre de race. Elles sont toutes pareilles. Les hommes partout, voilà un autre. Comptons ces blancs. D'avoir un homme qui est calme, très calme. Voilà un autre. Posé. Voilà. Voilà un autre. Et les gars là ne sont pas d'accord quand les filles. Matin au soir, attendant que le président Macron vienne nous raconter une de ses sornettes. Vivement qu'ils nous disent que. Comptons. Les Français peuvent reprendre le boulot, hein. Parce que tu es française. Mon chéri est beaucoup plus apte quand il va à son boulot. Là, il traîne à la maison. Il a pris 5 kilos. Le blanc est gêné, hein. Vous savez, les blancs n'aiment pas les réseaux sociaux. 5 kilos. Qui en a quand même pris, hein. Donc, vivement, qu'il retourne travailler. Qui travaille où? Moi, je fais mon sport. Et lui, il a son téléphone, il pêche du poisson. Je voulais qu'il me pêche... Des darnes de... Bobola. Cabillo. Oui, j'adore. Les quoi, mamie? Voilà. J'ai déjà des... Regardez le blanc. Est-ce que vous avez vu le blanc? J'ai... Vous savez que les blancs n'aiment pas ce genre de comportement. Trouvez l'inspiration pour redécorer votre chez vous avec ou sans wifi. Commencez votre essai offert aujourd'hui et décorez sans interruption. Regardez ce sapin. J'ai envie de pisser, ouais. Enrobé de tendre chocolat Milka. C'est-à-dire une pisseuse peut parler des plénocordates, des gonopsychotiques, des figures la gonocoque, non, la plénorragie. Non, pas celle-là. Les fesses sont ouvertes comme l'axe lourd. Regardez, elle filme tous les blancs, hein. Regardez. Tout va bien? Je te vois assez détendu, ça va? Comment une vieille mère peut changer autant d'hommes? Ah, dimanche. Et madame? Un petit garçon de 24 ans, voilà ça. C'est le mari d'une Sénégalaise. Les Camerounais sont fiers d'avoir un beau frère comme toi. Hein. Ah bon, hein? Les filles aux Camerounais. Bonjour, en boulot, en boy. Ah. Et puis, je leur souhaite un bon dimanche. Voilà, merci. C'est-à-dire que c'est un truc qui m'a toujours dépassé, que ma Gazon... Gazon m'a toujours dépassé avec cette histoire. Parce que Gazon a toujours acheté les hommes. Regardez Gazon. On dirait que la maison de retraite est en train de redresser. Ton rôti sera bon? J'ai bien oublié, j'ai démarré quand tu as fait un peu. On dirait sa mère. Ah ça?
Ok, bien oublié, je te démarre. J'ai beaucoup aimé ce beau. Puis j'étais, faut pas oublier, j'étais militaire. Hein. Ah ouais. J'apprends à faire la bouffe. Hein. Ah oui, parce que tu sais le faire. Hein. Maman la voit même pas. La noisseur de ça. Gazon peut nous enseigner quoi d'un mariage? Elle peut nous dire quoi d'un mariage, cette femme? Elle ne peut rien nous dire. À pas écarter. Je dis qu'il y a même un truc là dans la salle de bain qu'elle n'a pas pu. C'est-à-dire que tu vois vraiment, les gens sont terribles. Hein? Elle n'a pas pu vraiment donner le goût à l'homme. Voilà où il avertissait les gens. Regardez Gazon. Hein? Bonjour à tous. Facebook, il avait. Nous sommes le couple Beka et c'est moi, Aline Marie-Christine Robin, l'humoriste de talent, romancière et cantatrice. Cet après-midi, je vous parle du fond du cœur pour vous demander aux Africains et aux Camerounais en particulier d'exister avec votre statut. Ne venez pas vous greffer sur les statuts des autres. C'est ça qui crée des frustrations aujourd'hui. Nous sommes venus en Europe nous chercher, mais nous venons d'Afrique. Nous allons retourner en Afrique. Quand vous n'avez pas de statut, ne venez pas vous accrocher sur la vie des autres. Maman, quand elle avait un homme, elle montre qu'il est le seul. Il est hors de question que les personnes viennent s'agripper dessus. Pour essayer d'exister. Créez vos vies. Nous sommes en début d'année. Essayez d'exister par vous-même. Ne venez pas vous greffer à ma vie. J'ai donc mon compagnon qui va vous parler, Dimitri Meka, parce qu'il a un message important. Et donc tu es le nom du village. Bonjour à tous. Donc Dimitri Meka. Donc je commence par vous interpeller parce que il y en a qui sont assez stupides d'avoir mis des photos sur internet d'Aline ou de moi. Mais ça ne m'a pas choqué. Parce que Aline, c'est une très 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 jolie femme. Et comme on dit dans le terme en France, elle est canon, vraiment, elle est bondante. Si ça vous choque, ça ne vous dérange pas. Deuxième chose, Aline, elle a vécu avec un Camerounais pendant quelques années, dont elle a passé un enfer. Donc moi aussi, j'ai passé un enfer avec une Sénégalaise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que veut dire le mot enfer. Troisième chose, il y a certains abrutis qui appellent sur mon téléphone, abrutis homme ou femme, mais cela ne me dérange pas parce que je ne décroche pas. Vous pouvez faire appeler autant que vous voulez, ça ne me dérange pas. Troisième chose, vous avez dit aussi que Aline, elle fait des relations à d'autres hommes, mais c'est où le problème? Où est-il le problème? Vous savez où on est dans ce pays? Dans ce pays démocratique ici. Normalement, c'est la femme avec un homme ou avec des hommes et non l'inverse. Ou alors, non plus des hommes avec des hommes ou des femmes avec des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a Dieu là-haut et Dieu punira les gens et il descendra sur terre et il viendra juger les vivants et les morts. Et comme on dit, son règne n'aura pas de fin. Lisez la Bible et vous comprendrez déjà pourquoi c'est. Et pour terminer, j'aimerais bien que certains qui se mêlent de nos affaires, mais se mêlent de leur derrière. Qui se mêlent pas de nos affaires, mais de leur derrière. Est-ce que c'est bien clair? Et si ça recommence, c'est moi qui m'en mêle, car je suis français, de souche. Aline, elle est française, de souche. Il y a des lois dans ce pays, et je ferai condamner les gens qui s'amusent à recommencer ces conneries-là. Je suis bien clair. Merci, au revoir. Il avait dit au qui? Demandez à vos voisins, demandez aux gens intelligents. Ce qui me fait rigoler, c'est qu'il parle à qui? Foutez-nous la paix. Jusqu'à dire qu'elle est française de souche. Bonjour à tous. Je suis Aline Marie-Christine Zomoubem. Je suis avec mon chéri d'amour. Ah, comme il a pris les cinq. Il est chouette. À Breton, je vous chante l'amour. Je m'adresse à toutes les célibataires. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Surtout, trouvez-vous des hommes. Une femme qui vit seule est sujette à des soupçons. La beauté d'une femme se révèle quand elle a un mari. La beauté d'une femme se révèle quand elle a un chien. Comme un chien. Là, on dit que la femme est belle. Non, tu n'es pas belle, tu es canon. Voilà. Là, on dit que la femme est canon, comme mon chéri le dit. Toi, t'es un petit canon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah non, c'est plus joli que le mot belle. Voilà. Hey. Maman, nous n'avons
Hey, la femme si c'est chanter l'amour aux hommes. Pourquoi certaines personnes de cette tribu ont les dents? Pourquoi certaines personnes de cette tribu ont les dents arrachées? Ils ont toujours un problème de dentition devant. C'est une question, hein? Il y a beaucoup qui ont les dents arrachées là-bas. Le gars l'a rendu folle. Maman, j'ai trop serré. Voilà le beau garçon qui pleure. Le gars, regardez. Joli garçon comme ça. Tu cherches quoi avec ma gazon? C'était Ratatouille. Aïe!
Gazon. La beauté de ça. La beauté. La beauté de ça. Tu vas le pleurer fatigué. Gazon, le mariage est fini, accepte. Oh, mignon garçon. Pour quoi de carottes? Vous laissez vos soeurs. Voilà pour l'autre. Voilà pour l'autre. Et vous êtes joli, joli, joli. Mon bébé, vous êtes Chouka, c'est tout parti chercher derrière ces filles-là, non? Tu pleures ça. Quoi de carreau, il go cry. Je mets ma part. Après, je mets pour la cuisse ouverte. Tu te trompes complètement. Tu as compris. Tu ne veux pas qu'il fourra. Et tu fourras. Tu fourras. Oui. Comme ça. Oui, fourra.
Oui. Hey. Voilà, vraie musique. Hey. Après, je mets pour l'autre. Plus de dépendants. J'ai trop ce morceau-là. Chacun met sa part, non? On met pour tous les artistes. Fils mal au temps, hein? Bam, bam, bam. Tu vas lire, tu vas pleurer plus que ça. C'est bon. Le constat de ça. Attendez, je mets pour votre star en face. Non. Voilà pour votre star. Je sais que là, ça se fait comment? Maman, j'ai envie d'aller pisser. Attendez, je vais pisser, j'arrive. Malo,
Maman, j'ai aussi vu que si j'ai vu seulement aussi là-bas, non. Bonne nuit à tout le monde. Bisous. Et celui-ci est où depuis? Il a mis le poids de carotte. Chef. Bonjour de plastique. Bien temps. Il aime la vertu, mais alors, c'est qu'il faut mettre le même chapeau que c'est toujours même, c'est qu'il est toujours pépin. Je mets qui? Depuis qu'il avait partagé où on a insulté J-Pom, j'ai dit que non, je ne suis plus avec. Avant, il le suivait depuis la dernière fois. Et celui-ci est où depuis? Oh, que le maman. Quand le son percé. Yeah, quand le son percé. Simoleta. Merde, Simoleta, Sylvie. Simoleta. Je t'ai oublié, mais c'est vrai. Tu n'as pas hésité à me contrarier. Je t'ai oublié, mais c'est vrai. Tu n'as pas hésité à me
fait pour les directs. Waris, non. Moi, je le vois plus en direct depuis. Simoleta, tu vis? Mon ancien général, le premier général de la team. On l'a chassé comme une vieille chaussette. Voilà le premier général de la team PDGIS. On l'a chassé comme une vieille chaussette. Il n'a pas supporté. Ils sont deux. Il y a l'autre là qui dit qu'il boit le mercure. Simoleta, c'est Hao. Comment mon enfant? Simoleta. Quelqu'un qui dit qu'il s'appelle ou c'est quoi de Londres là? Il n'a jamais été à Londres. Hein? Les gens qui ne font que choisir les pays des gens, ils disent que c'est leur nom alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds. Simoleta. Simoleta. Caleçon percé de Londres. Simoleta. Si je fais ce direct ce soir, parce que je suis un peu gêné par une situation qui me dépasse. C'est quoi comme ça, papa? Qui t'a encore gnasse gratos? C'est le cœur. Ça crame, bébé. De plus, c'est le direct de Lolo Foggia ce soir. Oui, ça, je sens que ça brûle. J'ai été un peu choqué de ce direct. Et je me sens mal. Tu ne pleures pas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler premièrement à Lolo Foggia. Je vais te dire une chose. J'ai compris une chose sur les réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux, c'est une guerre des clans. Alors, ici, sur les réseaux sociaux, on appelle ça l'amour par hypocrisie. Ça veut dire quand tel n'aime pas tel, il faut que tu t'allies à la décision de la personne en question. Bonsoir Lorraine. Je te souhaite beaucoup de guérison à toi, Big Up. Oui. J'ai remarqué que sur Facebook, quand quelqu'un a la guerre avec quelqu'un, il veut mêler beaucoup de personnes. J'ai compris que nous sommes sur Facebook pour chercher un intérêt particulier. Alors quand l'intérêt ne donne pas, ça devient des problèmes. J'ai écouté Lolo parler de Tata Aline, mais j'ai des larmes aux yeux. Tu ne pleures pas. Écoutez que Lolo aujourd'hui peut clasher Tata Aline. Moi, ça me fait du mal. Pourquoi? Je vais faire un rappel à Lolo. Si tout le monde devait se fâcher, à cause du comportement de quelqu'un, ou à cause de la manière dont la personne doit être, c'est que Lolo, je ne causerai pas avec elle. Ou bien si je devais imposer le choix des amis à qui que ce soit, je ne pense pas que on devait être toujours amis. Mais j'ai ma philosophie à moi. Chacun est libre de choisir ses amis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La vie est faite ainsi. S'il te plaît. Tu ne peux pas haïr une personne parce que tu es dans une guerre des clans. Premièrement, quand j'ai commencé à me tirer avec Lolo, ta gouverne Lolo. Quand j'ai eu des petits problèmes, tu étais avec moi, tu m'as toujours soutenu. Mais depuis, quand je me suis éclipsé un peu, tu es parti faire la paix avec Flore du Lille. Je ne sais pas si je t'avais insulté, je ne sais pas si je t'avais parlé. Merci. Je ne sais pas si je t'avais manqué le respect. La seule chose que je t'avais dit, c'est ton choix de vie. Assume ton choix de vie. Merci. À ce qui me concerne, tu restes mes amis. Mais je saurai comment cheminer avec toi dans les jours à venir pour éviter d'avoir les problèmes avec toi. Premièrement. Deuxièmement, je vais te rappeler encore une petite anecdote. Une petite anecdote. Qui concerne la veuve joyeuse. Quand tu es rentré de la Belgique,
La veuve joyeuse a déclenché un clash contre toi. J'ai eu la veuve joyeuse au téléphone. J'ai dit à la veuve joyeuse, ce qui te concerne, Lolo, toi, je ne me mêle pas du tout. Je l'avais dit ouvertement à la veuve joyeuse, si je m'en peux le dire. J'ai dit à Lolo que moi, je ne vais jamais clasher la veuve joyeuse. Moi, c'est des grandes personnes, ce que je m'en veux. Si tu veux une bouteille, je ne dirais pas non. Alors, je ne m'étais jamais mêlé de vos problèmes. Pourquoi tout simplement, je me dis, chacun est libre de faire ce qu'il lui donne là, ce qu'il en a envie, Lolo. Cela ne voudrait pas dire que je suis d'accord que Tata Lolo te clash, Tata Aline te clash. Mais je pense que quelque chose qui te quelque part pour qu'il y ait un clash. Une personne qui a insulté Aline comme toi. Tu te plains sur les réseaux sociaux. Tu te plains sur les réseaux sociaux que Tata Aline t'a insulté. Tu es fatigué des insultes de Tata Aline. Mais comprends que Tata Aline est libre et opinâtre de donner sa version. Elle est libre de se placer dans, d'avoir sa position sans que cela te heurte. Pareil pour toi. Je vais te rappeler, quand j'ai commencé à faire la promotion de Lady Ponce sur la cigale, et quand j'ai fait le repli de son problème, toi, Tata Aline, toi, Lolo, tu t'es révolté sur les réseaux sociaux. Au fond, tu as pas aimé déclencher une guerre. Maintenant, une personne m'a tué. Je ne t'avais jamais répondu. On a causé un inbox privé. Tu avais ta position et c'est toi qui as créé le concept de Bami Power. En me donnant le défi, que tu me donnes le défi, que toi, tu vas faire en sorte que la soirée de Lady Ponce chute. Je pense que c'est avec une considération amicale. Peut-être que vous êtes trop calme, mais laissez-moi réveiller un peu les gens. Je ne l'aurais jamais fait, mais je t'ai jamais clashé. Mes anniversaires, je n'ai jamais vu que tu avais un poster de l'anniversaire sur ta page. Cela ne me gêne pas du tout. Cela ne me gêne pas du tout. Parce que je me dis que tu es libre de faire ce que tu veux, Lolo. Si c'était, j'ai tellement beaucoup de raisons que je vais te clasher. Je vais t'insulter. Et tu vas pas me donner l'air. Ça va devenir une guerre entre nous. Mais je me dis, tu es une amie. Je me pose la question si vraiment vous avez vraiment honte. Nous nous comportons comme des personnes sans tenue de honte. Nous avons, avec un sens scrupule, façon, un raisonnement. Je ne saurais comment l'expliquer. Parce que moi, la honte que je peux avoir, que je cause avec un ami, je me retrouve en train de le lyncher sur la toile. Un ami avec qui on a traversé des étapes. Un ami avec qui on a fait des choses. Tu vois du rouge là? Lolo, je t'ai mis sur la toile. C'est moi, Simon, qui te mets sur la toile. Parce que tu ne voulais même pas entrer sur la toile. Ma boutique, mon magasin en Espagne, tu ne l'as jamais dédicacé. Mais je ne t'ai jamais reproché. Peut-être le monde entier n'a jamais vu cela. Je bois un bon rouge. Je comprends l'homme d'anniversaire. De 1994. Toi, Lolo, tu as fait. J'ai fait un direct pour toi. Les gens m'ont attiré à me faire comprendre que tu n'es pas une amie. Tu atteins ton niveau d'intérêt, donc tu cherchais derrière moi. Tu t'es retiré. J'ai dit genre, non. Et n'est pas au jeu de faire le direct. L'amitié, moi, je garde ça au cœur. L'amitié, c'est quelque chose qui me touche au cœur. Très bon. Mais ça ne veut pas dire que, comme on marche, moi et toi, on marche, moi, on ne se suit pas. On est ensemble, on ne regarde pas la même direction, mais on appelle à se supporter, Lolo. Je ne t'ai jamais clashé, je ne t'ai jamais insulté. Tu as fait des anniversaires où tu m'as jamais invité. Sous prétexte que papa me dit, je t'ai jamais insulté. Je pense que si quelqu'une t'aurait fait une chose pareille, toi Lolo, tu l'aurais clashé. Tu as ouvert ta chaîne. Tu m'as jamais invité dans l'une de tes émissions. Quand tu fais quoi dans la vie? Je n'en parle pas des cas. Juste pour te dire que dans la vie, quand tu vis avec quelqu'un, il faut accepter les bons et les mauvais, les mauvaises choses. Le bon et les meilleurs, le bon côté de cette personne. Le mauvais côté de cette personne pour aller de l'avant. Alors, aujourd'hui, tu te répliques que Lolo et Tata Aline a fait un direct de haine. Tu ne vas pas imposer aux gens d'accepter la paix de Flore de Lille avec Perpetue Maléba. Et si c'est une guerre de clan, chacun trouve son compte quelque part. Bonsoir Marie de Rosé, comment tu vas ma mère? Chacun trouve son compte, chacun se sent à l'aise. Là où il peut aller, se sentir à l'aise. Chacun a la liberté. Arrêtez de comprimer la liberté aux gens.
synthétique. Arrêtez de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent marcher. Parce que chacun a son plan de vie. Comme c'est pas beaucoup, je viens. Tu ne peux pas te permettre, parce qu'elle a fait un direct, tout le monde n'est pas d'accord de la paix de Flore de Lille. Y compris son Maléba. J'en fais partie. Cela ne veut pas dire qu'on essaie de développer la haine. Plus que chacun toi, c'est qui? A la connaissance exacte de la chose. Je dis que tu as une petite mémoire. Il y a de cela quelques temps. Moi, je pense que si tu as clashé Aline, si Aline t'a clashé, elle se lève jamais le matin, elle prend le direct, elle commence à insulter quelque part. Ça quitte de quelque part pour vous arriver. Dernièrement, les gens t'ont contacté. Les gens t'ont contacté pour le cas de Tata Aline. Mais tu as été amer. J'ai dit bien, tu as été amer. Tu as été remonté parce que tu étais dans le droit chemin et tu étais libre, Lolo, de soutenir, de donner ta version des faits. Bien que cela ne m'intéressait pas. Comme cela ne m'intéressait pas du tout. Tu t'es jamais appelé. Tu as insulté Lolo. Tu as insulté Tata, tu as délégué, tu as délégué. Mais si tu considérais cette dame, tu l'auras appelé à Ningbos privé. Moi, quand l'affaire de Tata Aline est sortie, en tant qu'un bon ami, j'ai appelé Tata Aline à Ningbos privé. Je lui ai dit, ça n'est pas bon. C'est pas la lynchant sur la toile que tu penses solutionner ou bien monter. Vous choisissez les gens que vous allez lyncher. Bande de vous. Ou la bonne manière de faire les choses. Non, Lolo. Je ne suis pas d'accord. Tu as insulté copieusement Tata Aline. Peut-être tu oublies. Elle aussi, elle a un monde derrière. Elle a des fonds. Il y a des gens qui sont intéressés par l'écouter. Il y a des gens qui la haïssent dans cette vie. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Parce que même le Seigneur qui était sur terre, les gens l'ont traité de blasphémateur. Tu ne reviens plus à Paris. Elle était l'envoyée de Dieu. Tu ne peux pas empêcher à une personne de prendre position. Je vous laisse. Bonne nuit. À demain.